Soyons heureux d'être ainsi réunis ici ce matin pour vivre ensemble ce temps de culte, ce temps de grâce, ce temps de paix. Cordiale bienvenue à chacune, à chacun qui est venu ici pour prendre un temps, pour nous replacer devant le Seigneur, celui qui nous appelle, celui qui nous inspire. Mais qui est-il ce Seigneur que nous invoquons? Oui, qui es-tu Seigneur? Toi que nous cherchons, toi dont le silence nous trouble, tu glisses entre nos doigts comme le sable ou comme l'eau, et nous ne retenons dans nos filets que notre désir d'aimer. Nous ne retenons dans nos filets que l'espérance de la justice. Nous te percevons là à nos côtés, Seigneur, présence qu'on ne peut enfermer dans aucun tombeau, ni cerné par aucune certitude. Toi qui franchis les murs, qui traverses les cœurs, eh bien, sois au milieu de nous comme l'ami importun, sois au milieu de nous comme l'absent espéré. Laisse-nous te trouver dans le mot, dans le regard partagé, et renouvelle-nous aujourd'hui la grâce et la paix. Amen. Et nous chantons. Nous prenons le 5604, 5604 pour cet immense bonheur. Et nous chanterons les trois strophes. Pour chanter, je vous invite à vous lever. Je vous invite à faire nôtre les paroles du psalmiste et nous allons prier et exprimer notre louange en reprenant les paroles du psaume 80 et puis en reprenant ces paroles mais de manière revisitée par un écrivain contemporain. Prions. Seigneur, fais-nous revenir. Fais luire ta face et nous serons sauvés. Visage de feu, amour sans fin, saisis-nous. Tu vas devant, berger du monde, tu vas profonde, sourcier de l'âme, tu vas fuyant, toi, l'horizon du dedans. Visage de feu, amour sans fin, comble-nous. Nul ne peut te voir sans mourir, nul ne t'adore sans frémir. Nul ne te dit s'il n'est pas habité par un lumineux désir. Visage de feu, amour sans fin, éveille-nous. Vois, ta vigne flamme se languit. Vois, ta vigne source tarie. Ta vigne peuple est une fête dévastée.
à leur visage de feu, amour sans fin. Libère-nous. Ta main amie se pose sur l'ami. Ton bras aimé entoure l'aimé. Ton feu calcine les sarments du temps. Alors visage de feu, amour sans fin, embrase-nous. Amen. Et nous prenons ce psaume, le 80, et je vous invite à chanter les strophes 1 et 3, et je vous invite à garder ce psaume. Nous chanterons les strophes 5 et 6 tout à l'heure. Le psaume 80, les strophes 1 et 3. Prions. Aide-nous, ô Dieu, aide-nous à comprendre les vérités qui sont les tiennes. Aide-nous dans notre recherche lorsque nous essayons de discerner comment tes pensées peuvent s'inscrire dans nos cœurs. Aide-nous, ô Dieu, aide-nous à vivre pleinement, dans toutes leurs dimensions, les idées que tu places en nous. Que nos paroles, que nos actes puissent laisser passer ta lumière, puissent refléter ta présence. Que nos paroles, que nos actes puissent rayonner de la beauté du monde qui est le tien. Amen. Et je vous invite à chanter les strophes 5 et 6 en restant assis du psaume 80. Thank you.
Pour entendre une parole de grâce, de lumière, je vous invite à vous lever. Sur la dureté de notre cœur, Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, il fait lever la paix de son amour. Sur le vide, sur l'engourdissement de nos journées, il fait lever la joie d'une existence retrouvée qui nous est donnée en abondance. Sur nos humeurs dépressives, agressives, déprimées, il fait lever la stabilité, la sérénité, grâce à sa fidélité. Alléluia. Et je nous invite à chanter le 71-18. Vous le connaissez peut-être par cœur, hein. C'est Jésus le Christ, lumière intérieure. Nous allons le chanter 3 fois. Il y a quelques jours, nous avons vécu sur le secteur Mérévigne un baptême d'adultes. Et à cette occasion, j'ai prêché sur le sens que pouvait avoir le baptême aujourd'hui. Et du coup, c'est cette prédication que je vais également vous délivrer ce matin. Donc ne vous étonnez pas s'il est question de baptême. Et puis ça nous fait aussi revisiter, un acte, un geste, un signe que nous avons peut-être les uns les autres reçu. Et puis ça nous permet aussi une prochaine fois, quand vous vivrez un baptême, de le regarder, de le percevoir, d'accueillir ce qui se joue là différemment. En fait, c'est une sorte de catéchèse d'adulte que je vous propose ce matin. Pour que nous puissions écouter un passage des Écritures qui sera tiré de la lettre de Paul aux Romains, pour que nous puissions être disponibles dans cette écoute, pleinement présents à ce moment, je vous invite à rester dans cet état de prière. Ô Dieu, toi qui nous parles, toi qui fais vibrer le son de ta grâce, que ce soit dans le silence des déserts, que ce soit dans la verdure des collines, que ce soit dans le bruissement de la garrigue,
ou que ce soit dans la respiration des vagues sur l'océan. Oui, toi qui nous parles, eh bien parle-nous encore, aujourd'hui, de ta voix, cette voix qui murmure au fond de nos êtres. Oui, parle, Seigneur. Fais resplendir ta lumière. Ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Dans la lettre aux Romains, chapitre 6, à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Christ Jésus, ignorez-vous que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, eh bien de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je crois que le geste du baptême a pour but d'exprimer ce qui nous est offert. Ce geste a pour but d'exprimer un cadeau qui nous est offert au cœur de la communion que nous pouvons vivre avec le Christ. Et pour décrire ce don, je m'appuierai simplement sur deux expressions de cet extrait biblique que nous venons de réentendre. La première, c'est « la mort ne domine plus ». Et la deuxième expression, marcher en nouveauté de vie. Lorsque nous choisissons d'écouter l'Évangile, lorsque nous choisissons de méditer sur le témoignage qui rayonne de la vie de Jésus de Nazareth, alors ce qui nous est offert, c'est de vivre comme si la mort ne dominait plus. Alors ce qui nous est offert, c'est de vivre en marchant en nouveauté de vie. Qu'est-ce que cela signifie ? Voilà ce que j'aimerais préciser avec vous ce matin. Et pour commencer, j'aimerais vous faire part d'une découverte que j'ai faite en étudiant ce passage de la lettre de Paul. La découverte, c'est la suivante. J'ai réalisé que la langue grecque avait deux mots, en tout cas, pour exprimer la nouveauté. Tout d'abord, il y a le mot « néos ». Qui dénote la nouveauté en référence au temps. Et du coup, pour ce sens, néos, ce qui est nouveau, c'est ce qui est récent, ce qui est moderne, ce qui est contemporain. Et ensuite, en grec, il y a aussi le mot kainos. Kainos, quant à lui, dénote la nouveauté en référence à la qualité. Et nouveau, dans ce deuxième sens,
ce qui est différent de ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, et nouveau, ce qui est inattendu, ce qui est inouï. Neos, kainos. Alors imaginons la chose suivante. Imaginons, en voyant arriver un char flambant neuf, parce que sortant de l'atelier qu'il avait fabriqué, les Grecs de l'époque biblique auraient utilisé le mot néos pour le décrire. En effet, ce char où on peut atteler des chevaux, ce char il est neuf, il est récent puisqu'il vient d'être construit. Néos. Cependant, si ces mêmes Grecs avaient vu débarquer dans leur époque un véhicule hybride de notre temps, alors là, à coup sûr, ils auraient employé le mot kainos, car ce véhicule aurait été pour eux complètement différent de ce qu'ils connaissaient jusqu'alors. Kainos. On aime bien imaginer plein de choses. Hein. Voilà. Alors, si je partage avec vous cette subtilité de la langue grecque, c'est parce que dans notre passage biblique, quand l'apôtre parle de nouveauté de vie, il n'utilise pas le mot néos, il utilise le mot kainos. Ceci est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, oui. Donc quand l'apôtre parle de marcher en nouveauté de vie, quand l'apôtre raconte ce qui nous est offert au cœur de notre communion avec le Christ, il ne nous dit pas que ce serait une petite séance au garage, une petite séance qui permettrait de bricoler, de réparer ce qui doit être réparé pour que nous puissions ressortir flambant neuf et pour que nous puissions continuer à vivre comme on a toujours vécu. Non, quand il nous parle de ce qui nous est offert dans la communion avec le Christ, l'apôtre utilise non pas le mot néos, mais le mot kainos. Et ce faisant, il nous dit que ce qui nous est donné, lorsque nous nous laissons être imprégnés par l'Évangile, ce qui nous est donné, c'est de recevoir une nouvelle qualité de présence. Une nouvelle qualité de présence. Une nouvelle qualité de présence qui fait qu'au lieu de continuer à vivre comme avant, eh bien nous nous mettons à vivre autrement. Nous nous mettons à aborder les situations autrement. Nous nous mettons à regarder les êtres qui nous entourent. Eux, ils n'ont pas changé, mais c'est notre regard qui change, notre qualité de présence. Alors si le baptême est une fête, c'est parce qu'il célèbre cette nouvelle qualité de présence que nous recevons du Christ. Une qualité jusqu'alors inconnue de nous, une qualité inouïe, étrange, qui titille notre curiosité et notre envie de l'explorer. Et c'est pour ça, je crois, que même quand on est baptisé, on continue à se laisser marquer par l'Évangile, parce qu'on perçoit quelque chose de cette nouvelle qualité de présence et on a envie de mieux l'intégrer, mieux la comprendre, mieux s'en imprégner et mieux la vivre. Kainos. Alors essayons de préciser à présent ce que peut bien être cette nouvelle qualité de présence que nous recevons du Christ. Et pour cela, revenons-en à la deuxième expression de notre passage biblique de tout à l'heure. Cette deuxième expression que j'ai mise en exergue, l'expression « la mort ne domine plus ». Nous pourrions aussi traduire « la mort n'exerce plus son emprise ». Alors comment comprendre cette affirmation? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que la communion avec le Christ nous apporterait un pouvoir surnaturel, nous permettant d'éviter de passer par la case que nous redoutons tous, à savoir la mort? Est-ce que les eaux du baptême seraient cette fontaine de jouvence qui, depuis la nuit des temps, est l'objet de toutes les quêtes humaines? Est-ce que l'affirmation « la mort ne domine plus » qui justement surgit dans ce passage biblique où il est question du baptême, est-ce que cette affirmation serait le signe que l'eau du baptême serait semblable à cette eau de cette fontaine qui permettrait à celui qui s'y baigne dans ces eaux de restaurer sa jeunesse, voire même de lui offrir une jeunesse perpétuelle? Or, rappelez-vous, ce passage biblique ne parle pas de la nouveauté néos. Il ne nous fait pas miroiter la nouveauté d'une voiture sortant du garage après avoir été remise à neuf. Ce passage ne nous fait pas miroiter la nouveauté offerte par un perpétuel rajeunissement.
ce passage biblique nous parle de la nouveauté kainos, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En fait, d'une certaine façon, ce passage biblique, il ne nous dit pas ce que nous aimerions tellement entendre. Tous, je crois qu'il faut être honnête, nous vivons avec l'angoisse de devoir un jour ou l'autre mourir. Tous, nous vivons avec l'angoisse de voir un jour ou l'autre nos proches nous quitter. Tous, nous vivons dans l'angoisse de devoir un jour plonger dans cet immense inconnu qu'est la mort. Et au lieu de devoir affronter cet inconnu qu'est la mort, nous aimerions tellement pouvoir nous baigner dans les eaux d'une fontaine de jouvence. Tellement. Or, ce passage biblique, en nous parlant de la nouveauté kainos, nous invite à vivre un changement de logique. Il nous invite à nous ouvrir à un autre état d'esprit. Au lieu de chercher fiévreusement la fontaine de jouvence, ce passage nous invite à recevoir de la communion vécue avec le Christ un regard nouveau sur notre existence. Il nous invite à recevoir une autre qualité de présence par rapport à chaque étape fondamentale du cycle de notre existence. Alors comment décrire cette qualité de présence que nous recevons d'une communion avec le Christ? Comment la décrire? Cette qualité de présence qui nous permet de porter un autre regard sur chacune des étapes du cycle de notre vie, et donc aussi de porter un autre regard sur la mort, sur notre mort. Comment décrire cette autre qualité de présence? Peut-être tout simplement en rappelant ceci. La communion avec le Christ, dont le baptême est le signe, n'est pas quelque chose de magique qui viendrait lever les étapes fondamentales du cycle de notre existence. En tant qu'humains, nous sommes tous inscrits dans un cycle de vie constitué de différentes phases. La naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge de jeune adulte, l'âge de la maturité, la retraite, et puis la période pour dire au revoir à cette vie. Et enfin, le grand plongeon qu'est la mort. La communion avec le Christ ne vient pas bousculer la succession biologique de ces étapes. Le baptême, en célébrant que la mort ne domine plus, ne va pas nous empêcher de devoir un jour ou l'autre être confrontés à chacune de ces étapes, et donc à la mort. C'est pourquoi je dirais que la communion avec le Christ ne vient pas nous permettre d'éviter certaines étapes. Cette communion avec le Christ vient nous permettre de vivre chacune d'elles avec une autre qualité de présence. Et pour décrire cette autre qualité de présence, les Écritures bibliques nous offrent cette métaphore. La mort ne domine plus. La mort n'est plus cette puissance qui nous angoisse, qui fait que nous ne sommes plus présents à nous-mêmes, présents aux autres, présents au monde, parce que au fond de nous, cette puissance, elle est là, et elle a son emprise sur nous, elle nous obsède, elle nous ronge. Tant que la mort nous angoisse, tant que la mort nous obsède, elle a du pouvoir sur nous. Elle exerce sur nous une emprise insidieuse, car secrètement, c'est elle qui influence nos décisions et nos actes. C'est elle qui ronge à l'intérieur notre qualité d'attention à tout ce qui nous est donné ici et maintenant de la vie. Là où la communion avec le Christ nous offre une autre qualité de présence, c'est lorsqu'elle nous apprend à ne plus avoir peur de la mort. Au fond, si je devais ce matin partager avec vous la substantifique moelle du témoignage du Christ tel que je l'entends aujourd'hui dans les évangiles, eh bien je dirais ceci. Plus je médite la vie de Jésus de Nazareth, plus je l'entends nous dire que la volonté de Dieu à notre égard, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, n'est pas que nous finissions notre existence en plongeant dans un néant vide, froid et silencieux. Plus je médite la vie de Jésus de Nazareth, plus je l'entends nous dire, si nous existons, si un jour nous sommes venus au monde, ce n'est pas pour rien.
mais c'est parce qu'un désir puissant a souhaité que nous puissions entrer dans une communion profonde avec cette vie. Ce désir puissant a souhaité que nous puissions découvrir, au travers de toutes les relations que nous tissons, combien il est bon d'exister. Et si ce désir puissant ne s'était pas inlassablement engagé, alors aujourd'hui, nous ne serions pas là. Oui, le regard autre que nous propose Jésus, c'est de relire notre vie, toute notre vie, en nous demandant pour que la créature, les créatures aussi complexes et subtiles que nous sommes devenues puissent exister. N'a-t-il pas fallu un désir puissant ? N'a-t-il pas fallu qu'à de nombreuses reprises une parole se dresse au-dessus de l'abîme des ténèbres et dise « que la lumière soit ». Si personne ne s'était dressé pour parler avec autorité, alors les ténèbres n'auraient-elles pas continué tranquillement d'être ténèbres ? Mais pour que la créature aussi complexe et subtile que nous sommes ait pu ainsi venir à l'existence et se développer, n'a-t-il pas fallu un désir puissant ? Un désir puissant qui a été relayé par de nombreux visages familiaux, amicaux, fraternels que nous avons rencontrés au cours de notre parcours de vie. Parce que nous ne sommes pas venus au monde en un jour. Si ce désir relayé par d'autres n'avait pas été aussi fidèle et puissant, aurions-nous pu nous développer comme nous nous sommes développés ? Pour que nous venions au monde, il a fallu que tout un processus aboutisse et demeure stable. À tout moment, les conditions rendant possible cette émergence auraient pu être enrayées. Or, si nous sommes là aujourd'hui vivants, n'est-ce pas parce que, au-delà des complications, un désir puissant a été à l'œuvre pour qu'une multitude de conditions soient remplies et permettent aujourd'hui notre présence. Plus je médite l'Évangile, plus Jésus de Nazareth m'aide à percevoir ce désir puissant. Oui, le Christ m'aide à entendre cette parole qui, avec autorité, se dresse face à toute ténèbre, pour dire que la lumière soit. Et plus je découvre cette autorité de vie, plus j'en viens à me dire que face à elle, même la mort, aussi puissante qu'elle puisse être, même la mort, j'en viens à me dire que même la mort n'aura pas le dernier mot. Face à cette autorité pleine de vie, même l'abîme froid, vide, silencieux des ténèbres n'aura pas le dernier mot. Et j'en viens à croire que le dernier mot, le dernier qui sera prononcé, sera fidèle au premier, que la lumière soit. Le dernier mot qui sera prononcé ne sera pas que la mort soit, mais que la lumière soit. Et du coup, à l'écoute de cette parole, je reçois une nouvelle manière de regarder le cycle de notre existence sur cette terre. J'en viens à me dire, si nous existons, ce n'est pas pour finir dans le néant, mais c'est plutôt pour progressivement, peu à peu, jour après jour, entrer pleinement dans la lumière. Le temps qui nous est offert lors de notre passage sur terre est là pour nous faire progressivement entrer pleinement dans la lumière. Nous sommes entrés dans la lumière en devenant peu à peu conscients. En tant que nourrissons, nous n'étions pas conscients de nous-mêmes, mais nous le sommes progressivement devenus grâce à des paroles bienveillantes de nos proches, grâce à plein de stimulations, d'interactions qui nous ont fait sortir de l'obscurité de notre inconscience. Et de même, devenus adultes, nous continuons d'entrer dans la lumière. Lorsque nous devenons conscients, grâce à des interpellations, des interactions qui nous viennent de plus loin que nous-mêmes, quand nous devenons pleinement conscients de tout ce qu'il y a là autour de nous, et que tout ce qu'il y a là, eh bien, c'est pas normal. Il y a quelque chose d'incroyable que ça puisse exister. Nous devenons adultes lorsque nous entrons pleinement dans la lumière et que nous devenons conscients de l'unicité de ce visage qui est à mes côtés, de la beauté de tout ce qui nous entoure. Et de même, devenus vieillards, nous continuons d'entrer dans la lumière lorsque nous réalisons que cette vie qu'il nous a été permis
de traverser, d'explorer, de goûter, et bien que cette vie a été rendue possible grâce à un désir puissant. Le désir d'entrer en relation avec nous en tant que personne. Un désir qui est demeuré, qui a demeuré, même si par moment, par état, par saison, nous n'avons pas été à la hauteur de ses espérances. Le désir d'entrer en relation avec nous, il est là, fidèle, disponible. Oui, en tant que vieillard, ce qui semble essentiel, c'est le fait que même si les forces déclinent, ce qui est essentiel, c'est que de ce désir de communion demeure. Parce que la parole qui se dresse au-dessus des ténèbres pour dire que la lumière soit, parce que cette parole demeure fidèle, alors il est possible de percevoir la mort comme une nouvelle kainos, nouvelle occasion d'entrer dans la lumière. Vivre le baptême, du coup, c'est faire le choix de nous mettre à l'écoute du Christ pour que nous vivions chaque étape de notre existence comme une occasion qui nous est donnée d'entrer pleinement dans la lumière. Amen. Et nous chantons. Nous prenons le 44-14, nous prendrons les trois strophes, « Ô, prends mon âme !» Et pour chanter, je vous invite à vous lever. 44-14.
Une dernière annonce pour vous dire que le 11 décembre, on a un peu de temps, mais pas trop. 11 décembre, c'est aussi un samedi à 16h au temple de la rue Maglone. Il y aura un spectacle conte et musique. Il était une fois un petit bout de jardin. Et en fait, c'est un spectacle de Noël destiné à tous. Et l'idée, c'est que nous avons demandé à Marion, qui crée ce spectacle, on est en train de travailler avec elle, nous avons demandé à des musiciens et musiciennes de notre église pour faire un moment de qualité destiné à tous. Et notre objectif, il est d'inviter largement. Et ensuite, alors on espère que les conditions sanitaires nous le permettront, mais ensuite, c'est prévu pour l'instant, on va attendre de voir un peu, c'est prévu un goûter de Noël. Voilà, donc un temps convivial, un temps de rencontre et invité largement pour qu'on puisse faire de ce temps un temps festif. Le 11 décembre à 16h au temple de la rue Maglone. Bien, à présent, nous pouvons, par un geste simple, changer les humeurs des trésoriers et des conseillers presbytéraux et de secteur et tous les membres engagés. Nous pouvons, par un geste simple, par notre offrande, manifester que nous voulons soutenir cette église pour qu'elle puisse continuer d'annoncer l'évangile de multiples façons dans cette belle métropole où nous vivons. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, apprends-nous à prier les yeux ouverts sur notre monde, les mains ouvertes elles aussi, pour t'apporter et te remettre ce qui brise ce monde, ce qui le détruit. Renouvelle-nous ta lumière pour que nous puissions discerner le mal, pour pouvoir lui résister de toutes nos forces. Apprends-nous à nous approcher, à accompagner ceux et celles qui, blessés par la vie, ont de la peine à avancer. Nous te prions pour les personnes qui vivent l'épreuve de la maladie. Nous te prions pour les personnes qui vivent l'épreuve du deuil. Nous te confions aussi tout particulièrement les personnes qui traversent les ténèbres de la dépression. Renouvelle notre qualité de présence auprès d'elle. Que nous puissions simplement être là et inspire-nous des gestes, des paroles qui sont au goût de ta grâce et de ta fidélité.
Toi qui nous dis dans ta parole, demandez et vous recevez. Apprends-nous à demander et donne-nous d'être alertes et inventifs pour faire notre part sur les exaucements que nous te demandons. À côté de l'amour, donne-nous une bonne dose d'humour. À côté de l'accueil, donne-nous quelques brins de tendresse. À côté de l'ouverture aux autres, donne-nous une solide mesure de bon sens et de compassion. Voilà notre prière pour aujourd'hui, Seigneur. Qu'elle puisse entrer dans ta prière. Qu'elle puisse être portée par ta prière. Comme nous sommes portés jour après jour par ta grâce. Nous te l'exprimons, cette prière, au nom du Christ qui nous a appris à te dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Et à présent, sur chacune des routes que nous allons emprunter, que le Seigneur dirige notre cœur vers l'amour de Dieu et vers la persévérance du Christ. Que le Dieu de l'espérance, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit, que ce Dieu-là nous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance et que nous soyons portés par le dynamisme de l'Esprit. Amen. « 62-81 », nous le chanterons deux fois.